Pour la procureure, chaque prévenu est coupable à son niveau de cette bérésina financière. Elle requiert donc des peines à la hauteur des responsabilités de chacun dans cette affaire. Contre le promoteur, Marc Astolfi, qu'elle présente comme la tête pensante du système, elle requiert 4 ans de prison, dont un avec sursis, 50 000 euros d'amende et l'interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. Car derrière son aspect bonhomme, dit-elle, il y a l'escroc, celui qui se servait du compte de la SCI à Gola Marina pour régler ses dépenses personnelles et qui a cherché des acquéreurs pour combler les trous de trésorerie. Contre son associé Christian Istria, elle requiert 3 ans de prison, dont un avec sursis, 30 000 euros d'amende et la même interdiction de gérer une entreprise. Interdiction d'exercer aussi pour le notaire Maître Mativé, contre lequel la procureure requiert 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 40 000 euros d'amende. Contrairement à ce qu'il avance, dit-elle, il était obligatoirement au courant que les travaux stagnaient et il n'a pas vérifié les documents qui lui étaient présentés. Enfin, la parquetière requiert respectivement 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme contre le maître d'œuvre, et 18 mois, dont 6 fermes contre le comptable. Des peines jugées beaucoup trop sévères par les avocats de la défense. Ils achèvent en ce moment même leur plaidoirie.